Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses. La première, c'est que Robocop est arrivé dans la boutique d'objets, donc sur Fortnite. Ceux qui n'ont pas vu ce film ou qui veulent le regarder mais qui peuvent pas encore le regarder ou qui l'ont pas vu, je vous conseille vraiment de le regarder, c'est un super film. J'adore vraiment. Je vais pas vous spoiler parce que je serais bien obligé de faire défoncer. Sinon, les noms cachés où là, le pack Robocop? On fait exprès. Bon, et voilà. Dedans il y a Robocop. La jambe 209 peut être équipée en tant que pioche ou accessoire de dos. Ça, robe 209. Puis ça, le mini head 209. Bien. La jambe 209. Et donc, la jambe 209 peut faire partie du mini head. Ça y ressemble. Et la deuxième chose, c'est que une période d'essai pour le ballon ou la bulle de camouflage, là vous savez, non pas la bulle de camouflage, c'est la bulle de protection. C'est n'existe pas la bulle de camouflage dedans. Genre si ça existait, tout le monde l'utiliserait et tout le monde se ferait avoir ou défoncer et serait même obligé de le retirer les 30 premières secondes. Ça n'aurait même pas une seconde dans le jeu. Parce qu'il voit pas de quoi je parle, vous savez, c'est l'espèce de bulle que quand tu balances. Soit de l'extérieur, on peut pas toucher quand t'es à l'intérieur. Et quand t'es à l'intérieur, tu peux pas normalement toucher les autres s'ils sont à l'extérieur. Donc ça te force à aller à l'intérieur de la bulle pour tuer ton ennemi. Ça c'est pratique. Puis les ballons, ils ont un sorte de camouflage maintenant dessus. Puis la troisième chose dont je voulais vous parler, vous savez la vidéo que j'ai faite sur le revêtement d'arène. Pour ceux qui ne voient pas absolument pas de ce que je parle, vous irez de regarder la vidéo et je vous la mets à la fin de celle-ci. C'est vraiment pas aller la voir avant de continuer cette vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que vous allez voir sur les images que je viens de mettre, c'est qu'en haut on voit bien que c'est à l'égrivalité. De toute façon, le terrain à l'égrivalité, donc c'est normal. Et que celle au centre, on voit bien que c'est l'icône de champion. Donc pour moi, je crois que ça va être le tout premier revêtement de Fortnite avec des variantes comme les skins. Tu peux choisir ta variante si tu veux que ça soit rivalité 1, rivalité 2, rivalité 3, champion 1, champion 2, champion 3. Donc c'est vraiment bien. Bon, normalement si t'as pas atteint la ligue champion 3, tu pourras pas mettre champion 3 je pense. Sinon je pense que ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche. Puis on est bientôt 100 sur ma chaîne, donc ceux qui sont abonnés, je vous remercie. On est 94, alors n'hésitez vraiment pas à vous abonner, il manque plus que 6 abonnés avant les 100. Sinon je vous dis à plus pour un prochain clair génie.